personne aussi, il y a juste maman qui m'apprécie. Puis là, ben, elle est partie pour la fin de semaine. Arrête donc de te vanter deux minutes. C'est pas de la vantardise. Il n'y a pas juste l'école dans la vie. Ben, il y a quoi? Yo, t'es juste une nerd. Une nerd? Ben, papa a dit quelque chose? Papa dit que c'est plutôt difficile de lire son journal ici ce matin. Toi, t'es frustré parce que t'as juste des dés. Ben, moi, tu sauras que je suis contre la compétition scolaire. Moi aussi, je suis contre la compétition, tu sauras. Hey, on est bien prises, là, hein? Moi, ça me tente pas de rester, puis en même temps, on peut pas s'en aller. On écrit un petit mot, on le laisse sur la table, pour rentrer à la maison toutes les deux, ni vues ni connues. Ben, voyons, de quoi je vais avoir l'air? De quelqu'un qui sait pas prendre ses responsabilités. On peut pas, bon, on reste. Je leur dirais que t'avais mal au ventre, qu'on trouve pas d'aspirine, qu'on est rentré à la maison. Ah! Il est pas si fort, les autres arrivent en courant! Es-tu prêt, papa? Oui. Monsieur Trépanier, pourquoi avez-vous choisi... Monsieur Trépanier, hey, penses-tu que t'es à la télévision? Hey, c'est mon travail, puis j'ai le droit de faire comme je veux. Ça vaut rien, une entrevue. Pour savoir ce qu'est la géologie, là, il faudrait que t'ailles en expédition avec papa. Il faut les vivre, les choses. Miguel. Oh, t'as raison. Toi, pour savoir que t'es pas homosexuel, as-tu essayé? Hey, Tania! Mais il était pas supposé dire un mot. Bon, OK, Miguel, laisse ta sœur faire son entrevue. Vas-y. Moi, j'irai. Quand tu sais, depuis tout à l'heure... En fait, j'étais venue t'en parler, mais j'ai pas été capable. Le carreur! Pourquoi il fait ça? Hey, quand je pense que j'ai dit à tout le monde que François Clément voulait sortir avec moi, de quoi je vais avoir l'air, là? Tu l'as dit à quelques personnes seulement. C'est pas la fin du monde. C'est ce que tu penses. Je suis tellement gênée, je pourrais plus jamais retourner à l'école. Puis, comment ça a été? Hey, moi, là, le granola, c'est fini. Je reviens au naturel. Comment ça? Oh, la coriandre, bien trop collante. Une vraie sangsue. Tu changes vite d'idée? C'est une vraie bombe à retardement, ce fille-là. Hey, elle compte les fast-foods, le chlore dans les piscines, on devrait pas conduire d'auto. Hey, un peu plus, il va falloir recycler le papier de toilette. Ben, tu peux quand même pas dire que c'est de ma faute. Ben, j'ai rien dit non plus. C'est à toi de choisir les bonnes filles. Steph a décidé qu'elle s'occupait plus du party. Hein? Comment ça? Ben, elle a plus le temps, faut qu'elle étudie. Il me semblait qu'elle avait changé, elle. Je sais, mais c'est parce qu'elle a jusqu'à demain pour apprendre ses capitales. Ses capitales? Pourquoi faire? Pour jouer dans un film de géographie. Hey, c'est pas une raison, ça! C'en est une belle, ta sœur! Elle peut pas nous laisser le party Woodstock sur les bras comme ça! Ben, je pourrais essayer de la remplacer. Ben oui, mais c'est toi-même qui... Pas encore. Hein? Ça peut pas durer comme ça, nos parents se chicanent tout le temps. Mais voyons donc, ils se chicanent seulement quand ils sont ensemble. Mais justement, tu trouves ça normal, toi? Ben au moins quand ils chicanent, ils nous laissent tranquilles. Mais comment tu peux préparer un spectacle pour la paix pendant que nos parents se chicanent? Wow, relax. Moi, je vais là pour faire le rap et jouer des bongos. Michel, ben justement, tiens, pour un musicien, l'harmonie, c'est super important. De l'autre, c'est pas vrai, ça n'a pas rapport, ça. Michel, c'est grave, OK? Il faut donner l'exemple à nos parents. Partisseurs? Ben, je les ai changés l'année dernière. Ah, puis il y a autre chose à part ça. Et combien ça coûte, ça? Aïe, 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 aïe. Ça peut pas attendre, ça. J'ai besoin de la camionnette demain matin. Et M. Labrec m'a promis ma camionnette pour samedi, puis samedi, c'est demain. Ben, vous avez juste à en trouver des pièces. Mais vous ferez du temps supplémentaire. Bout de corde, de ceinturonnure, de face à claque. Tu t'es laissé avoir par Bérubé, hein, c'est ça? Arrêtez pas de dire. Essayez donc juste pour voir. C'est le fun. Puis t'as marché. Mais j'avais pas vraiment le choix. Comment ça, t'avais pas le choix? Ben, il y avait plein de monde. J'aurais eu l'air niaiseux. C'est ça, hein? T'as fait le sein juste pour pas perdre la face. Ben, teint tes mots de joint. Avant que je refasse un pacte avec toi, il va faire beau. C'est pas mal hypocrite. Les autres, ils sont où, hein? Je suis pas sûre que la majorité a pas envie d'acheter le dernier Mario. Hey, t'as le 1 puis le 2. Tu trouves pas que t'en as assez? Non. Tu sais, je les connais par cœur. La princesse est à veille de demander le divorce tellement a vu Mario souvent. Bon, là, je pense qu'on en a assez entendu, là. Mademoiselle Cusson, auriez-vous l'obligeance de laisser travailler le conseil tranquille, s'il vous plaît? Mais oui, mais ma cassette! C'est non! Bon, c'est pas juste, c'est pas juste! C'est pas une arcade, ici! Mais vous deux, là, avec vous, là, ça se passera pas comme ça! Oh!
Ooh, oh, oh, oh.